Coucou mes petites beautés, c'est Farine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous une astuce pour assécher et faire disparaître plus rapidement un bouton avec un seul produit. Si cette vidéo vous intéresse, restez bien là. Avant tout mes petites beautés, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses et nombreux sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir, merci pour vos très gentils commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas également d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Place à l'astuce. C'est un produit qui se vend en pharmacie. Moi, je l'ai vendu à beaucoup de clientes pour leur bébé. En fait, c'est une crème pour les fesses de bébé, c'est une crème pour le change qui va en fait permettre d'apaiser, de réparer, d'hydrater la peau. Et elle fonctionne super bien pour ce problème-là, on va dire, mais aussi pour les petits boutons d'acné qu'on a envie d'éliminer. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la dermocrème. Si vous êtes en Belgique, elle est à 3,90€, donc 3,90€ le petit pot. Ça, c'est un petit échantillon que moi-même j'ai récupéré de la pharmacie. Mais le pot un peu plus grand, qui dure quand même pas mal de temps, est vraiment pas cher. Le gros pot, qui a, je pense, cette dimension-ci, cette taille-là, il est à 10€, donc c'est vraiment pas cher. C'est une crème qui est assez pâteuse, blanche, comme ceci. Et j'ai essayé une fois, donc je m'amusais comme d'habitude, vu que mon visage est un laboratoire vivant. J'ai décidé de l'essayer pour assécher en fait un bouton. Je pense même que c'est ma maman qui m'a donné cette super idée. Maman, merci. Ça fonctionne super bien, ça assèche, etc. J'avoue que ça fonctionne mieux. Pourquoi? Je n'ai pas vraiment de réponse à ce niveau-ci. Lorsque c'est des boutons que j'ai ici au niveau de la mâchoire, un peu moins sur les boutons sur le front. Parfois, j'ai des fameux boutons qui arrivent sur le front. J'essaye plusieurs choses. Parfois, il y a des choses qui fonctionnent super bien. Et parfois, je ne sais pas. Mon corps s'entête à ne pas vouloir répondre positivement à la solution que je lui offre. Parfois, voilà, ça fonctionne. Et parfois, ça fonctionne moins sur les boutons au niveau du front. Mais il faut essayer. Par contre, ici au niveau de la mâchoire, etc., ça fonctionne beaucoup mieux. Il y a deux manières de l'utiliser. Ou on l'applique vraiment localement pendant 20 minutes, 20-30 minutes, ou on laisse toute la nuit. Moi, la plupart du temps, je vous avoue que je laisse toute la nuit. Bon, ça salit votre thé d'oreiller ou votre drap, ça c'est sûr à certains. Et c'est assez pâteux, comme je vous ai dit, donc le matin, il faudra vraiment nettoyer convenablement votre peau. On peut l'utiliser à l'aide d'un coton-tige, d'en prélever un petit peu et de l'appliquer sur la zone qu'on a envie de traiter, comme ceci, sur le bouton. Il faut mettre une couche, bon, pas trop épaisse, mais faut pas essayer de masser le produit. Ça, non. Il faut vraiment l'appliquer comme ceci et ne pas le masser. Du moins, moi, c'est comme ça que je le fais. Maintenant, on peut le garder, comme je vous ai dit, 20-30 minutes, ensuite on nettoie sa peau, ou on garde toute la nuit la crème. On peut faire également un masque. Je vous conseille toujours de faire un petit test avant d'utiliser les produits. Faites un petit test en dessous ici, donc de la mâchoire. Vous gardez quelques heures, si tout va bien, pas de réaction, vous pouvez, je pense, l'utiliser sur les boutons. Maintenant, si vous avez une quelconque réaction négative, évitez d'utiliser le produit. Ou, comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser en masque, donc évitez le contour des yeux. On applique une bonne couche, on laisse 20 minutes. Ensuite, on nettoie avec d'abord un mouchoir en papier, parce que comme je vous ai dit, c'est assez épais. Et puis, on nettoie son visage avec son nettoyant habituel. Bien évidemment, ça ne va jamais remplacer le conseil d'un dermatologue, un spécialiste. Pour moi, ça fonctionne, j'espère que ça va fonctionner également sur vous. Voilà mes petites beautés, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!